À l'occasion de l'ouverture de la 8e édition du Salon international du transport et de la logistique pour l'Afrique et la Méditerranée, Logismed à Casablanca, le ministre de l'équipement du transport, de la logistique et de l'eau, Abdelkader Amara, a indiqué que les activités de transport de marchandises et de la logistique contribuent à hauteur de 5,1% au PIB marocain et emploient plus de 425 000 personnes au Royaume. Le secteur de la logistique a pu créer 26 000 emplois nets directs durant la période 2010-2017, soit une part de 9% de l'ensemble des créations d'emplois sur la même période au niveau national. À cet effet, le salon Logismed se positionne aujourd'hui en tant qu'événement majeur du secteur de la logistique à l'échelle nationale et régionale, a souligné M. Amara, notant qu'il s'affirme d'année en année en tant que rendez-vous incontournable de la communauté logistique marocaine et africaine et comme une réelle plateforme d'échange, de connexion et d'exposition, contribuant ainsi à l'évolution et au développement de la logistique nationale et continentale. Cette manifestation est devenue un événement d'envergure de référence de la logistique au Maroc et revêt une importance particulière et témoigne du développement que connaît le secteur de la logistique au Royaume en reflétant les grands efforts fournis et travaux accomplis par l'ensemble de la communauté logistique. Ce que nous avons accompli durant les dernières années est assez intéressant. Il reste beaucoup de choses encore à faire. Ce qui est très important, c'est que nous avons des sociétés, et surtout des PME marocaines, qui sont versés dans la logistique. Il y a des noms internationaux qui sont établis au Maroc. Enfin, le but, c'est un petit peu d'être dans une intégration logistique qui constituerait le soubassement de la compétitivité économique que recherche le Maroc en tant que plateforme d'exportation sur d'autres pays, notamment le continent africain. Le domaine de l'e-commerce offre de nombreuses opportunités de développement pour les acteurs du secteur, ont indiqué à Casablanca les participants à une conférence tenue sous le thème « E-commerce, des menaces et des opportunités ». Les intervenants à ce panel, organisé dans le cadre du Salon international du transport et de la logistique pour l'Afrique et la Méditerranée, ont souligné que l'e-commerce, qui connaît une croissance soutenue tirée par la recrudescence des achats en ligne, offre des opportunités attrayantes pour les différents acteurs du secteur. Le Salon Logismed 2019 connaît l'organisation de 4 grands événements nationaux et internationaux, dont le Salon Logismed, la 5e conférence annuelle du guichet national des procédures du commerce extérieur, le Forum sur les transports et la logistique de l'Organisation de la coopération islamique et la 4e édition des Moroccan Logistics Awards de l'Agence marocaine de développement de la logistique.